Salut, aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur les points noirs qu'on peut avoir après l'épilation lors de la repousse des poils. Alors, moi j'utilise un peu de beurre de karité, du bicarbonate que je mélange, voilà, une goutte d'huile de ricin et je mélange. Je mélange comme ceci et je passe, je gomme sous le bras pendant 1 minute et je prends un gant de toilette humide et je rince comme ceci. D'habitude, je fais ça sous ma douche, mais voilà. Et ma douche est perso et vous voyez après la peau est bien hydratée et il faut se dire que si vous avez des points noirs lors de la repousse de vos poils après l'épilation, c'est parce que la peau est sèche et c'est un manque d'hydratation. Et avec ce gommage là, vous hydratez la peau et vous gommez en même temps parce que le beurre de karité, c'est un bon produit hydratant, ainsi que l'huile de ricin, voilà. Et après, lors des repousses de vos poils, eh bien, vous n'aurez pas de points noirs et la peau sera propre et bien nettoyée, surtout hydratée. Pour la petite histoire, moi j'avais des points noirs après l'épilation. Et j'ai commencé à utiliser le bicarbonate, mais ça me laissait la peau sèche parce que j'utilisais pour les aisselles et pour le maillot. Et j'ai décidé comme ça de mélanger beurre de karité, l'huile de ricin et bicarbonate. Et franchement, le résultat est flagrant. Eh bien, au bout de quelques utilisations, mes points noirs ont disparu. Eh bien, du coup, maintenant qu'on doit m'y mettre en décolleté ou soulever mes bras, et j'ai pas de difficultés parce qu'avant j'osais pas soulever mon bras parce que j'osais pas soulever mes bras parce que j'avais des points noirs sous les bras. Ainsi que pour le maillot, eh bien, en vacances, j'avais des soucis pour me mettre en maillot parce que j'avais des points noirs. Au maillot, maintenant j'en ai plus. Et mais j'ai mis pile tranquillement, les poils poussent, j'ai plus de points noirs, je continue à me gommer 1 à 2 fois par semaine, j'ai la peau hydratée et puis franchement je suis tranquille avec ce petit produit-là. C'est vrai, il en existe plein dans les magasins, mais voilà, les produits naturels, c'est aussi bien. Et je partage cette astuce de femme avec vous que tout le monde peut utiliser. Et ce gommage-là, vous pouvez l'utiliser sur tout le corps. Et ça vous hydrate la peau. Et puis, j'espère que ça vous aidera lors de votre gommage, votre épilation et tout. Voilà. Et je vous dis merci de partager. Et je vous fais un gros bisou. Et à bientôt. Bye bye.